Et salut tout le monde, salut YouTube, on est reparti du coup pour The Sinking City. Bon bah j'ai trouvé, c'est bien à la gare, les éléments qui me manquaient, ça a l'air d'être ici. Donc là il y a une roue. Le bois est pourri à cause de l'humidité. Ça a l'air d'être le chariot quoi. Le fameux J'aurais pas chariot en aimé être à sa question. place. Yes. Oh, un livre. Couvert de sang. J'espère qu'il est encore lisible. Page de journal taché, extatique à l'idée d'être le secrétaire de notre communauté, l'histoire de notre ascension, pardon, sera écrite de ma propre main. Il y a 2 jours, trouvé le morceau béni de la pierre. Nous y sommes presque. L'heure de notre ascension approche. Nouveau lieu de ralliement à l'ouest des Shells, sur Justice Street, entre Inner Chine Street et Wanner Road, plus près de la pierre, pour que ce soit plus facile à transporter. Voilà, donc en fait ils sont bien tous morts. Bel et bien tous morts. Au final. Ok. L'ouest de Chelsea sur Justice Street. Justice, Justice. C'est pas loin en plus. Justice Street, celle-là. Et après c'était quoi? Inner? Je me souviens plus. Entre Inner Shine Street et Warren Road. Et Warren Road. Donc ouais, c'est bien ici. Dans l'eau. In the water. Très bien, très bien. Allons-y. Est-ce que j'ai des nouveaux trucs à assembler? Non. Alors, où est votre lieu de rendez-vous? Ah, ça m'a l'air d'être ici. Hello, bonjour. Bon, je vais faire avec ce que j'ai en bas là. Résidence des fidèles de la pierre. Bah, trop kiffé la pierre, je crois qu'ils sont un peu transformés en pierre. J'espère qu'ils n'ont pas brisé le morceau qu'il me faut. Cette statue a un niveau de détail incroyable. Elle semblerait presque vivante. On lui dit ou pas que c'est pas une statue, que c'est un vrai mec? On lui dit ou comment ça se passe? C'est la malédiction qui a frappé. Bon sang, ils ont vraiment essayé de mâcher ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça va pas? Ah, c'est sûr que si vous voulez devenir de la pierre. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure façon de devenir de la pierre, de manger de la pierre, mais bon. Pourquoi pas, hein? On devient ce que l'on mange. Pourquoi pas? Ça a presque du sens. Il me semblait qu'il y avait un truc d'inspiration là quand je passais ici, mais. Ah, si. Attends, il est où? J'ai l'impression. Si? Ok. Je peux pas m'en empêcher. C'est tellement délicieux. Bouffer le monolithe à s'en péter les dents. On va reprendre un peu nos esprits avant de monter. Tout va bien. Tout va très très bien. Est-ce que si je le frappe, il se casse? Non. La porte refuse de bouger. Te voilà. La porte refuse de bouger. Je crois que c'est pas comme ça que je vais y arriver. Ah! Je refasse ce qui s'est passé ici. Posez ça là. Enfin, notre ascension est presque prête. Nous commençons immédiatement. Ah oui, mais c'est un gros blocus qui t'ont ramené en fait. Nous sommes honorés d'être les premiers à nous élever.
que ce don de Kay nous libère de nos faiblesses et péchés physiques. D'autres attendent l'ascension. Je vais vous enfermer afin que personne ne puisse interférer. Je prendrai la clé. Voyons voir ce qu'on a ici. Ok, donc elle a la clé sur elle. Hop. Premier posez point. Ça là. Deuxième point. Nous sommes honorés d'être les premiers à troisième point. D'autres donc attendent l'ascension. Je vais vous enfermer afin que personne ne puisse interférer. La clé sur elle. Je prendrai la clé. Le fragment de monolithe a été apporté ici partiellement rongé et les restes ont été emmenés en haut. Puis on a fermé la porte et caché la clé parmi les livres. Ah, caché les clés, la clé parmi les livres. Tu. Tada. Oula, 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 oula. Oula. Sacré coup que je viens de prendre là. Sacré excès de folie. Est-ce que c'est vu comme une bébête ça là-bas? D'accord. Il s'en va tout seul. Très bien. Un peu avant de continuer. Cartouche. Notre truc. C'est le dernier mot. Et voilà le deuxième fragment. Une partie du saut. Ah. Est-ce qu'ils ont été dépierrés et du coup ils vont s'attaquer à moi? Est-ce que ça va être ça? Oulala. Oulala, je le sens mal. Pourquoi ils ont été déplacés? Comment ils ont été déplacés? Ne la touchez pas. La pierre est à nous. Oulala. Lolo. Ils sont vénères un peu. J'ai pas envie de me laisser partir. D'accord. J'ai vraiment pas envie que je parte avec la pierre quoi. Et bah je m'en vais. Chez. Lui prendre son shotgun. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, il nous reste l'autre à aller voir. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec toi? On va plutôt faire dans l'autre sens. Transformé par le monolithe. Quelque chose dans le monolithe a transformé les disciples en d'autres créatures. Très bien. Du coup, quelle est la dernière étape pour trouver le dernier truc? C'est la mince ligne côtière à l'extrémité est d'Old Colony Street. Old Colony Street? C'est quoi ça, Old Colony Street? C'est pas un nom de district? Ça n'existe pas. Ah non. Un pêcheur vivant sur les docks à la frontière de Coverside et Grimhaven Bay. Docks, frontière, Coverside, Grimhaven. Grimhaven, Coverside, les baies. C'est là-bas, j'imagine. J'imagine. Ok, alors avant tout ça, il faut que je retourne un point de TP. Bon, très bien, on avance, hein, 2 sur 3. On est toujours très ledge en balle, mais bon,
Pour l'instant, on fait avec. On fait avec. On a eu un peu de réassort à la gare en vrai, mais rien d'incroyable. Après, je pourrais toujours. Je peux toujours, genre. Prendre quelques trucs. Il n'y avait rien. Ok, que des trucs que j'ai déjà. Pas ouf. Ok. Tac. Du coup, on avait dit c'était par ici. Donc allons ici. Alors, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Il me semble que oui. J'imagine que c'est là-bas. Hein. Pas sûr à 100% non plus, mais. Oui. À mon avis, c'est ici. Puis s'il y a des morts, c'est que c'est ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de morts, mais. Encore non, on est au bon endroit. Quelqu'un l'a enlevé précipitamment. Dernier message. J'ai perdu le compte des nuits depuis que l'archi. Est piégé, l'Archie est piégé dans cette tempête, nous tournons en rond. Ces drogues de pierre ne nous laissent pas quitter ces eaux maudites ni retourner accoster en paix. Plus de nourriture, la faim a rendu ma sœur et son mari fous. Et ils prétendent que nous devons sauter par-dessus bord et rejoindre la côte à pied sous l'eau. Ils ont tous sauté dans l'eau, toute ma famille avec un sourire dément sur le visage. Que Kai me vienne en aide. Je prends le seul scaphandre et je vais tenter de rejoindre la côte, prier pour mon âme. Apparemment, il a réussi. Aucun signe de fragment de sceau de ce côté du monolithe. Ça ne va pas être simple. Palais de la mémoire. Plonger pour compléter le sceau. La prophétie annonce qu'un monolithe dissimule ce que je cherche sous un voile azuré. On dirait bien que je vais devoir chercher une partie du sceau sous l'eau. Oh, ce pêcheur mentionné dans l'article qui a trouvé de l'or dans la mer, il devait sûrement avoir un endroit où plonger. Peut-être que je pourrais trouver des indices chez lui. Très bien. Le problème là tout de suite c'est que je n'ai pas son identité. Ça va être compliqué. Ah, qu'est-ce que. Ah. Les tentapoulpes. Les tentapoulpes vont m'aider à trouver la direction. D'où est ce monsieur? Où es-tu? Où habites-tu? T'habites là? Très bien. Ah. La porte refuse de bouger. Et un couteau. Impossible d'entrer. C'est barricadé de l'intérieur. Quelqu'un qui a essayé de le. Le marave? Pas l'air d'avoir grand-chose de ce côté. Monter ici, j'ai l'impression. Oula, bah oui, il y a un trou béant dans sa dans son mur. Bonjour. La porte refuse de bouger. L'aide d'un parent Jimmy, aucun de nous ne va quitter son foyer pour se joindre à ta foutue aventure. Nous sommes très bien ici à Oakmont et il n'y a pas d'autre endroit qui nous irait. En plus, quelle drogue d'idée que de nommer son bateau Archie.
tante Lavinia. Pas trop d'accord. Hein. C'était pas trop d'accord avec ses délires. Article de journal. Depuis le jour où Oakmont a été frappé par l'inondation, les pêcheurs se plaignent de la disparition de leurs moyens de subsistance. Aucune drogue guidée de l'endroit où a filé le pesque, nous confie M.B. Morgan. Un pêcheur de Salvation Harbor. Nous revenons les mains vides à chaque fois et ses crapules à face de poisson, elles, reviennent les filets gorgés de pesques. Il y a de la sorcellerie derrière, je vous le dis moi. Des récriminations similaires à l'encontre des natifs d'Innsmouth résonnent aussi, ainsi dans tout le port. À quoi donc leur succès actuel peut-il être attribué? Lockmond Chronicle mène son enquête, mais une chose est sûre, il y a pesque sous roche. Sous roche, pardon. Sous roche. Pas grand chose, hein. Le jeu est un peu radin avec moi là. Si tu pouvais me donner 40 poudres, ça serait cool. C'est une poudre par une poudre. Bon là, je descends, j'ai pas le choix, c'est ça. Et bah, allez. Ah, il y a quelqu'un, il est là, tout va bien. Pas de mal bête. Pas encore. Te voilà. Ah yes. Ah donc c'est carrément chez lui quoi. Coucou. Bonjour. Permets que je fouille un peu d'abord. Tu peux ouvrir ou pas? La porte refuse de bouger. Vous êtes du coin? Je peux vous poser des questions sur la côte. Genre direct comme ça. 30 ans que je vis ici et je vais y mourir aussi. Non même pas, désolé de vous déranger, je suis rentré... J'ai chez besoin vous. D'accéder à la base de ce rocher qui s'élance de la Il y a plage. Un trou béant Quel dans votre mur. Endroit pour plonger. Vous voulez donc aller en enfer comme tous les autres? Bah. Que voulez-vous dire? L'équipage de l'Archie, ma famille, ils se sont tous noyés. Quelque chose dont la mère les a appelés, hypnotisés. Vous voulez quand même y aller? J'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Ah bah. Alors, je peux vous demander une faveur? Vous voulez bien poser ces croix sur mes proches, en bas? Je ne sais pas comment aider leurs pauvres âmes autrement. Si vous acceptez, je vous montrerai où je plongeais avant la malédiction. Ça ne sera pas difficile de les identifier? Ça fait 2 jours à peine. Leurs corps seront encore intacts. Oh bah tu sais... Mais il y a des poissons. Même pire. Les pesques évitent le rocher, comme tous les êtres vivants. Je vais vous aider. Donnez-moi les croix et dites-moi où plonger. Qu'ay vous bénisse, monsieur. J'ai un bon endroit où plonger au rez-de-chaussée. Voilà la clé. Après, je le fais si c'est pas trop chiant, quoi. Je ne connais pas votre nom. Comment vous appelez-vous? Jimmy Price. Pourquoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un de normal. J'avais juste envie de discuter. Moi, c'est Charles Reed. Eh bien, heureux de vous rencontrer, Charles. Alors Jimmy, qu'allez-vous faire maintenant? Alors mon poteau? Je sais pas trop, j'ai tout poteau perdu. Poteau Jimmy? Ma femme, Rebecca. Ma fille. La mère a pris tous ceux que j'aimais. Je me demande si je paie le prix de ma cupidité d'avoir pris cet or des profondeurs. Maudit soit le jour où j'ai trouvé ce drogue d'anneau. Tout a un prix. Même si c'était vrai, vous ne pouviez pas le savoir. Ce n'est pas votre faute. J'imagine que c'est vrai. Merci. Jimmy, vous avez déjà réfléchi à ce que vous voudriez le plus au monde? Hein? C'est une question... inattendue. Que je réfléchisse. Ben, c'est évident. J'aimerais prendre ma Rebecca dans mes bras. Voir son sourire illuminer son visage. Et vous? J'aimerais que rien de tout ceci ne soit réel. Me réveiller dans mon lit à Boston, manger de la bonne nourriture, boire un bon café, et tout oublier. Ça me paraît pas mal. Ouais. Merci Jimmy, où j'y retourne. Prenez soin de vous, Charles. Au revoir. Après toutes ces péripéties, ça fait pas... Ça fait du bien, hein, de parler avec quelqu'un, c'est vrai. Hein. Ça c'est normal. Comme il le dit si bien. Mais quelle idée de ramener des trucs comme ça chez soi aussi.
Message d'adieu. Que l'or que j'ai trouvé soit maudit ou non, j'en ai assez pour faire construire mon propre navire. Je vais l'appeler Archie. On va quitter cette foutue ville que même Kai a abandonnée. À quiconque trouvera ce message, priez pour nous. Oui, bah ça n'a pas très bien marché du coup. C'était pas foufou, hein. J'ai un point de compétence. Prendre ça, et puis voilà. Et puis voilà. Bon. Bah quand faut y aller. Faut y aller. J'imagine dernière petite plongée. Pas être de tourpeau, surtout qu'il faut que je j'identifie trois corps, c'est ça? Les champs qui vont être gardés par des mon monstres. Sauf que les monstres ils me touchotent en fait. Donc, je sens d'avance que ça va pas être simple. Après rien ne m'oblige de le faire. Ouais. Je sais pas si je suis obligé de le faire. Parce que moi qu'est-ce que ça m'apporte hein? Pas sûr que ça m'apporte vraiment une grande reconnaissance quoi. Pas comment je vais les trouver les corps moi. S'ils sont sur mon chemin, très bien. S'ils sont pas. Oh bah tiens, un corps. J'espère que vous trouverez un endroit où reposer en paix. Bon bah c'est bien en fait. S'ils sont sur mon chemin, c'est parfait. Est-ce que j'en ai loupé un ou pas? J'espère pas. J'espère pas, j'espère pas. Je suis pas sûr que ça change quelque chose de mettre une croix sur eux, hein, mais. Pourquoi pas? C'est affreux. Je ne veux même pas y penser. Ils ont été ligotés. Oh oh! Salut toi, ça va? Laisse-moi tranquille. Merci de me laisser tranquille. Ce serait plutôt sympa. C'est tout bonnement horrible. Entre la vie et la mort. Bon, il m'a laissé tranquille. Bon, ils étaient que 3, on est d'accord. Hein. M'en fous, hein. M'en fous du reste. C'était que 3, hein. Et voilà, le dernier truc. Nickel. Les petits ballons, et on remonte. Est-ce que j'aurais atterri dans la maison ou pas? Parce qu'ils aiment bien me faire aller un peu n'importe où. Mais oui. 2 sur 3. Ah, je suis à 3 sur 3 là. Jimmy, j'ai retrouvé votre famille et j'ai fait ce que vous aviez demandé. Merci. J'espère que ça apaisera leurs âmes troublées. Je suis désolé de vous avoir demandé de risquer votre vie pour moi. Tenez, voilà de quoi montrer ma reconnaissance. Au revoir. Qu'est-ce que tu me donnes? Cartouche, cartouche. Ok. T'as pu me donner des poudres à canon en même temps, ça aurait été vraiment cool de ta part. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vais pas me plaindre, c'est ok.
Pas incroyable, mais c'est ok. J'en ai quelques-unes encore des poudres, mais je vais les garder au cas où. Donc le saut est complété, je peux maintenant ouvrir le monolithe central et descendre vers Ktigonar. Cet artefact, qui n'est pas de facture humaine, a été découvert par l'expédition de Dragmorton dans les profondeurs. Ça augmente, le saut a été utilisé en des temps anciens dans des rituels pour ceux qui vivaient ici bien avant la fondation de la ville. Mais du coup, c'est où qu'il faut que j'aille? Nous sommes condamnés à pourrir dans ce Borg. Ce Borg. Ah oui, c'est full condamné, quoi. Yes. Non, c'est pas complété à donf. Pourquoi elle est jaune encore ici? Encore humide. Aucun signe de fragment de sceau de ce côté du monolithe. Ça ne va pas être simple. Clé récupérée. Ok, là aussi je suis en preuve clé. Du coup c'est... Faut que j'aille où du coup? Faut que j'aille à l'église? Faut que je retourne... Non, faut pas que je retourne à l'église. Le monolithe central. Il est où le monolithe central? C'était à l'église? Putain, je sais pas. C'est au centre, quoi. Donc j'imagine que c'est ça. Un seul moyen de le savoir. On va y aller. On va y aller. Je sais pas. Je sais pas. Des gens qui marchent dans la terre, tout va bien. Ah, il y a un mec qui va se faire tuer là. Il est complètement fou. On observe ça. Vas-y. Vas-y. Ah, bute-le un moment. Allez. Allez. À un moment, faut porter ses couilles, hein. Il faut le tuer là. Voilà. Bien. Bon. La suite. What's next? On va essayer de retourner à l'église, mais je sais pas si c'était ici. Il fallait aller. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir bien suivi? Hop. Essayons. Parce que c'est là-bas que j'ai trouvé mon premier fragment. Mais ça veut pas dire que c'est là-bas la réponse à tout. Ou alors il y a un truc que je me souviens pas, dont je me souviens pas. C'est possible aussi. C'est possible. Il y a un truc qui me perturbe, c'est avec les enquêtes en fait. Enfin, genre ici elle est verte, elle est full, elle a été faite. Alors que aux deux autres monolithes. Résidence des fidèles de la pierre. C'est pas complété. Ah! C'est devenu blanc. Et il y a des bébêtes. Bonjour les bébêtes.
En haut ou en bas la bébête? Ouh, il y en a full en haut. Je me suis un peu coincé là. Ah, la foule explosée! Ah la pute! Pardon. C'est la première fois qu'elle me fait ça. Explose pas d'habitude. Petite conne. Enfin, grosse conne plutôt. Pas été très sympa avec moi. Vas-y, gigote ton corps. Ouais. Fais ça. Ouais. Gigote, gigote, gigote. Foiré. Petite enfoiré. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'avais même pas besoin d'y aller en haut, c'est ça? C'est ça qui se passe dans ma vie actuellement. J'utilisais toutes mes grenades pour rien. Est-ce que j'ai de quoi me recharger ici? Est-ce qu'il y a des trucs? Je me souviens plus. Je crois pas. Peut-être en bas. Mais... ça c'est un truc pour la folie, mais il n'y a pas un petit medkit parce que j'en ai plus. Après je peux en craft, c'est pas le problème, mais si j'en trouve c'est mieux. Ah, là, déjà, il y a des trucs à prendre de craft. Oh, oui! Oui, 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 je dis oui. Il y a plusieurs trucs, là. Ah, celle-ci, je pourrais la farmer. Hein. Celle-ci, je pourrais la farmer sans problème. Comment on est? On va se prendre une petite balle de revolver. On va se remettre bien en grenade. On va se remettre bien en truc de santé. Et on va mettre le reste dans les balles de mitrailleuse. Tac. On va refouiller une dernière fois pour récolter tout ce qu'on vient d'utiliser. Presque. Et voilà. Hop. Remettons les balles là-dedans. Bonjour. Ok, peut-être des trucs intéressants là-dedans aussi. 8 poudres à canon, yes. Ok, on continue. On continue sur une bonne lancée là. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Et salut, PatGames22. Bonsoir et merci pour le follow. Oh non, on avait un truc de first aid ici. Bon. J'aurais peut-être dû. C'est vrai que j'aurais peut-être dû redescendre avant. Ok, donc il est là le machin. Ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce que j'ai un dernier truc à récup ou pas du tout? Pas du tout. Ok. On va crafter les derniers trucs, je pense. Je suis à 30-30. Après, est-ce que ça vaut le coup que j'utilise mes 8 poudres à canon pour ça? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Hello, hello. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Eh ben, allez, c'est parti, hein. Le saut est complété désormais. Il est temps d'aller dans petit connard. Oh, peut-être une cinématique. Ah, ouais, c'est juste une cinématique de plongée. Rien de bien oufissime. Toujours la même à chaque fois. Du coup, on est sur notre dernière plongée, je pense. Hein, à chaque fois, je dis c'est notre dernière plongée. Et à chaque fois, c'est jamais la dernière. Bon, là, je pense qu'on est sur la dernière. Sur la dernière pente droite, là. Là, on voit le bout, là. On voit le bout du jeu, là. This is the final chemin. This is the final plongée. Allez, alors. Où faut-il aller? Ok, des flammes vertes sous l'eau, yes. En voilà une bonne nouvelle. Je crois qu'on m'attend. Je crois que je suis attendu. Oh bah super. Bonjour. Ça met 1000 ans à recharger ça. Ok, on va juste passer parce que je suis pas sûr de pouvoir la tuer. Je découvre le jeu, je connaissais pas du tout. Ah, ok. Ok, ok. Bah, vas-y, bloque-moi aussi. Mon opinion. Alors, attends, je te le dis juste après. Est-ce qu'il va me suivre jusqu'en bas? Non, il reste à son étage. Hein. Mon opinion, c'est bof. Voilà mon opinion. En soi, le jeu a une très bonne ambiance. Donc, c'est ce qu'on attend d'un jeu. D'un jeu. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Qu'est-ce que. Tout va bien. C'est ce qu'on attendrait d'un jeu de type Lovecraft, hein. C'est son ambiance avant tout.
Mais ça s'arrête là, en fait. Genre, l'ambiance, ok, elle est là, elle est posée, aucun souci. Mais le problème, c'est qu'il y a des bugs. D'innombrables bugs. Mais genre, vraiment. Enfin, des bugs de texture, des bugs graphiques, des bugs... Et puis, il y a eu un manque... Enfin, de la finition. Il y a genre... Ça manque de finition dans le jeu, mais un truc de malade. Oh non, j'avais pas vu ça. Ça, ça me touchote, en fait. Donc, je vais juste mourir. Ah bah, yes, je suis mort. Il est où? Il est où? Il est où? Il est passé où? Mais il est passé où le mob? Il allait me tuer là. Là c'était un game over, je devais recommencer. Bah voilà, voilà un bug. La bête a juste disparu. Alors qu'elle devait pas. Et du coup, même si l'ambiance du jeu est bien, même si c'est bien posé machin, bah du coup, tous ces bugs font que bah ça te casse l'ambiance en fait. Donc voilà, c'est un peu décevant. Il est un peu répétitif sur ses actions. Enfin, genre les enquêtes, vu que c'est tout sous forme d'enquête, toutes les enquêtes en soi c'est les mêmes, elles se ressemblent absolument toutes, c'est toujours le même mécanisme. Donc voilà, buggé, répétitif, non fini. Mais l'histoire est cool. Du coup, c'est la chose que je retiendrai du jeu. Oula, bah oui, là on arrive bien à la fin là. Salut, ça va Cthulhu? Comment tu vas aujourd'hui? Là, je suis en mode folie à 1 million de pourcents, c'est normal. Bon là par contre je suis à la fin du jeu, hein, donc honnêtement je veux pas que tu partes, hein, vraiment pas. Mais si tu comptes le faire un jour, même ce que je viens de te dire, bah reste pas sur mon stream parce que là je suis à la fin. Ça me fait chier de te dire ça, mais reviens une autre fois si tu ne veux pas connaître la fin tout de suite. Quoi? C'est quoi ces dégâts que je me suis pris? Ah mais oui! Oh, ah mais oui! J'aurais dû me recharger ma vie! Ah, oh, c'est gratuit de se recharger la vie en plongée. Là, je suis obligé d'utiliser des trucs. Oh, c'est terrible. Fais chier. J'y ai pas pensé à ça. Je vais attendre que... Oh, pff, peut-être pas attendre en fait. Allez, hop, je vais me piquer direct. Comme ça c'est fait. Je suis où? Je suis dans mon bateau. Ou je suis sur l'Archie. Où est-ce qu'on... Ah! On revient à la scène du tout début. Intéressant. Ce moment où il saute. Ok, c'est quoi ton prochain jeu? Pokémon. Donc rien à voir. Rien à voir niveau ambiance. Pokémon le 15 du coup. Bah d'ici le 15, du coup le 13, le 14, je pense que je continuerai un peu ce jeu. Même si je pense le finir ce soir, il y a genre plein de quêtes annexes. Donc je ferai un peu les quêtes annexes en attendant le 15. Et à partir du 15, je rusherai Pokémon. Voilà, voilà. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Il se peut que sa fille puisse étendre son influence par les monolithes. Après, je suis pas du genre à faire ce genre de jeu d'habitude. Mais genre pas du tout. Enfin, genre les jeux un peu... Après ça, c'est juste un jeu un peu... Voilà, avec une ambiance un peu sombre et tout, mais genre les jeux d'horreur, c'est vraiment pas mon kiff. Je l'ai commencé le 31 octobre, et voilà, je le finis maintenant. J'ai commencé pour soirée d'Halloween, et voilà, mais c'est pas... c'est vraiment pas mon truc, quoi. Les jeux d'horreur. Alors, monstruosité... comment on prononce ça? Ctonienne? Ctonienne. L'influence de sa fille sera forte au sein de Ktikoner. La transformation qui m'attend peut être pire que la mort. Créature divine, l'influence de sa fille sera forte au sein de Ktikoner. Avec son aide, je pourrai obtenir un pouvoir démesuré. Incroyable. Pénétrer dans Ktikoner. Mon sacrifice ne servirait à rien d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un mettra fin au cycle et sa fille cachée sera libérée en ouvrant les portes. J'ai au moins une chance de survie, peut-être même que je transcenderai mon essence humaine. Et ça fait quoi si je choisis... Ah, il faut que je choisisse l'autre truc. Ah non, même pas. Ouais, c'est marrant ça. J'ai pas le droit au deuxième choix. Ah, non, j'ai pas le droit au deuxième choix. Très bien. Bon. Eh bien, pourquoi pas. Pourquoi pas. Qu'est-ce que. Il faut que j'aille là-dedans, c'est ça? C'est ça le plan? Où suis-je? Ok. Oh, je suis dans ma chambre d'hôtel. Très bien.
Je suis dans un plan... dans un plan de type paradoxal. Oui, bonjour. C'est vraiment dommage, Reed. Il y a bien pire que vous dans cette ville. Ah oui, ok. J'allais dire c'est qui déjà, mais... Ok, je m'en souviens, c'est bon. Ils sont bien nombreux à vouloir se tirer d'Ockmonde, gamin. Et en général, ils se loupent. Ouais, donc en gros, là, ça va me repasser tous les PNJ du jeu que j'ai rencontrés, c'est ça? J'aimerais que rien de tout ceci ne soit réel. Oh, même moi. Me réveiller dans mon lit à Boston, manger de la bonne nourriture, boire un bon café, et tout oublier. Très bien. Quelle belle statue. Next. Ouf. Je vais être franc. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Au moindre écart, nous vous traiterons comme n'importe quel autre criminel, étranger. Ah ouais, c'est l'anarchie. Là. C'est un peu l'anarchie. Oh, je crois que lui s'est fait décapiter. Pas fou, hein. Pas fou, pas fou. Mais du coup, il s'attaque à qui? À tous les civils? Ou juste au mec d'Innsmouth? Non, ça doit être la folie, hein. Ça doit être absolument tout le monde. Tuez-moi. Ah, là, c'est le culte d'Innsmouth. Très bien. Donc tout le monde s'en prend à tout le monde, yes. Soyez sans pitié, les gars. Ils méritent que ça. Le KKK. C'est la merde, quoi. La et Vanderberg, regarde, j'ai ton costume. C'est assister au même spectacle encore. Je suis bonne, et encore, sans jamais rien faire. Nous sommes les agents du changement, monsieur Reed. C'est vrai. C'est vrai que c'est nous. Changement, c'est maintenant. Dépêchez-vous, Reed. Nous pouvons encore sauver cette ville. C'est archéologue, ça. C'est Hills. Vous ne pouvez pas mettre fin à la souffrance. Le cycle doit continuer. Nul ne peut changer. Très bien. Lâche ce pistolet, s'il te plaît. Prends mon appareil photo ou un kit dans mes mains, parce que... Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Mais c'est pas immolé, lui. Nous sommes condamnés à pourrir dans ce Borg. Il y a un cycle. Tout ceci s'est déjà produit auparavant. Elle veut être libre. Et il ne faut pas. Ou alors tout prendra fin. Très bien. On est prêt là, hein. Le destin n'attend personne, Charles. À vous de décider, Charles. Si tout ceci se termine. La caméra, elle bascule. Petit effet d'immersion. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là ? Je choisis l'annihilation, la fin de tous les cycles. Que tout soit détruit. J'accepte mon destin, contrairement aux lâches avant moi. Ma fille cachée, je viens à toi. Ma fille cachée. Est-ce que j'ai un... Ah non, je suis sorti du truc carrément. Je savais même pas que c'était possible. J'en ai que deux du coup. Je choisis de mettre fin au cycle. Ou d'y aller. Je choisis l'annihilation, la fin de tous les cycles. Que tout soit détruit. Le suicide pour relancer le cycle. Les graines précédentes sont mortes et le cycle a recommencé. Ce sacrifice semble être le seul moyen de le relancer. Attends, parce que du coup je peux changer des données là, non, maintenant.
Ah yes. Si j'ouvre les portes, je libérerai la fille cachée du rêveur. Si je survis à cet acte, ce qui restera de moi ne sera même plus humain. Le seul moyen d'empêcher la destruction de l'humanité de relancer le cycle en me suicidant. Moi, je veux juste tout détruire, en fait. Pénétrer dans Ctigonard. Mon sacrifice ne servira à rien. D'une façon ou d'une autre, quelqu'un mettra fin au cycle et sa fille cachée sera libérée. En ouvrant les portes, j'ai au moins une chance de survie. Peut-être même que je transcenderai mon essence humaine. Vas-y, j'ai envie de tester ça. J'ai pas envie de... J'accepte mon destin. De faire comme tout le monde. Contrairement aux lâches avant moi. Ma fille cachée, je viens à toi. Voilà. Vous aurez une fin sur les deux. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant, comme ça j'aurais pu voir les deux choix en fait. C'est dommage. Est-ce que je peux encore changer mon choix ou pas? C'est marrant parce que il y a des trucs là. J'ai fait mon choix. Je vais me sacrifier. Ah, okay. Comme chaque graine. Je peux changer si je veux. Que le cycle recommence. J'ai fait mon choix. Que le cycle recommence. Ok, donc là c'est le suicide, le cycle recommence, l'humanité perdure. Mais tout va se recommencer, tout va recommencer et il y aura un autre élu. Là, je mets un terme à tout et en plus je me transcende. Et là j'ai peut-être un autre choix, j'avais vu un autre truc là-bas. What is this choice? Je refuse de choisir. Je vais briser le cycle et libérer tous ceux qui sont piégés à Oakmont. Ouais. C'en est assez. Je quitte cette ville maudite et la folie qui y règne. Ok. Oh, on peut tester ça aussi en vrai. Je détruis tout. Je refuse de choisir. Je vais briser le cycle et libérer tous ceux qui sont piégés à Oakmont. Et après j'essaye de me casser. C'en est assez. Ça me plaît. Je quitte cette ville maudite et la folie qui y règne. Même si je sais que j'y échapperai jamais, mais... Nouvel indice dans le palais. Je pourrais libérer Oakmont. On dirait que le sceau peut être utilisé pour libérer Oakmont et ses habitants de l'emprise de Ctigonard. Si je sauvegarde, est-ce que je vais pouvoir tester toutes les fins? Eh bien, testons ça. Et voyons la cinématique, je vous laisse avec la cinématique du coup. Bon, ça a pas bien marché, hein. ça a pas très bien fonctionné, je crois. Pas fou, hein. Pas fou, pas fou. Est-ce que je vais pouvoir aller directement regarder les autres fins ou pas?
Est-ce que ça a fonctionné? Sans que j'aie à me retaper quoi que ce soit. Ok, nice. Le destin n'attend personne, Charles. À vous de décider si tout ceci se termine en rédemption. Hop, testons celui-ci. Je vous laisse. Quoi qu'on choisisse, de toute façon, c'est la demeure. Hein. C'est comme ça. Hein. Tous les choix, c'était la demeure de toute façon. Et on va essayer le dernier, qui est de se suicider et de recommencer le cycle, tout simplement. Tout simplement. Le destin n'attend personne, Charles. À vous de décider si tout ceci se termine en rédemption ou en sang. Et la dernière fin, qui est le suicide. Le cycle continue. Et ben voilà, on a fait toutes les fins. Normalement, il n'y a que ces trois-là, que ces trois qui nous ont été donnés. Donc voilà, voilà, voilà. Donc c'est soit on se suicide, le cercle recommence. Soit on casse tout, mais vu qu'on casse tout, bah ça détruit tout. c'est pas facile comme choix. Hein. Soit l'humanité perdure, mais il y a toujours la même merde en fait. Soit tu mets fin à l'humanité, mais au moins tu casses tout le truc, tout le mythe autour de Kitty Gunner. Donc, je sais pas, l'humanité, est-ce qu'elle peut revivre, est-ce qu'elle peut renaître de ses cendres? Bonne question. Bonne question. En tout cas, les deux premières que j'ai faites, au final, c'est un peu les mêmes, quoi. Dans tous les cas, c'est la fin de l'humanité. Juste un, il y en a un où j'ai décidé de m'en aller, et ça a marché.
jusqu'à ce que bah ça me rattrape en fait tout simplement, et que de toute façon toute l'humanité est condamnée, donc ils vont tous mourir au final, même moi. Et le deuxième choix, bah, c'est on met fin au cycle aussi, toute l'humanité meurt et je me fais aspirer par la bébête et je meurs directement. Donc. Fin du game, quoi. Fin du game, et fin du game, c'est le cas de le dire, hein, fin du game, puis ça correspond pas mal à la durée de la VOD aussi, donc c'est cool ça, c'est vraiment pas fait exprès, donc c'est vachement bien. Donc voilà, donc c'est la fin de The Sinking City. Donc j'ai dit, enfin j'en ai parlé du coup un peu avec une personne qui est venue sur le live juste avant, donc beaucoup de bugs, finition assez désastreuse dans le jeu, je sais pas si le jeu est sorti un peu trop vite, ou c'est plus les manques de moyens, ou si c'est juste carrément de la flemme, j'en ai aucune idée, je sais pas ce qui s'est passé au moment où ils ont développé le jeu, mais en tout cas, donc, je rappelle hein, Frogwares qui ont développé le jeu, ceux qui ont fait les Sherlock Holmes, qui sont très très bien. Donc voilà, donc beaucoup de bugs qui cassent un peu l'immersion, beaucoup de choses qui font que ça casse l'immersion, même si l'histoire est vachement bien, même si l'ambiance est vachement cool, la technique elle est effroyable, enfin genre vraiment c'est zéro, c'est un jeu de 2019, merde, genre tu peux pas vraiment te permettre de sortir un jeu comme ça en 2019, enfin après c'est que mon avis bien évidemment, mais voilà, si moi je devais lui donner une note, ça serait je sais pas peut-être 12-13. Pas plus, sur 20 bien évidemment, et voilà, voilà ce que j'en ai pensé, et j'espère que ça vous aura plu quand même, ce petit voyage à Oakmont City, à Oakmont, et voilà, donc profitez bien, parce que c'est un des rares jeux, un rare jeu ambiance sombre, ou même horreur, entre guillemets, même si je pense qu'on enfin, je sais pas s'il est vraiment classé dans la catégorie horreur. Je crois que si, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo. Je crois qu'il est quand même considéré dans la partie horreur, mais bon, pour moi, c'est pas un vrai jeu d'horreur à proprement parler. Après, s'ils pouvaient être tous sombres comme ça, et qu'ils pouvaient tous incarner le monde de Lovecraft, moi, ça m'irait très bien et j'y jouerais plus. Mais c'est juste que les jeux d'horreur actuels, c'est vraiment pas ma cam, et enfin... Si c'est à base de screamer ou des trucs comme ça, c'est un peu comme les films, je trouve ça un peu inutile pour moi. L'expérience n'est pas du tout là. Voilà, mais après ce n'est que mon ressenti, bien évidemment. Enfin voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous sur YouTube et je vous dis à bientôt. Et à bientôt pour après cette vidéo, ça sera des vidéos sur Pokémon. Et oui, sur Pokémon. Et peut-être d'autres jeux si je les rattrape, un de ces quatre, mais ça m'étonnerait. Parce que s'il y a Pokémon qui sort... Là, actuellement, il va sortir. La vidéo est tournée le 12 novembre. Il sort le 15 novembre, donc dans 3 jours. Et donc, dans 3 jours, je ne vais faire que ça. Que du Pokémon jusqu'à le finir, et jusqu'à ce que j'en ai marre. Et jusqu'à ce que je considère que moi, j'en ai fini avec le jeu. Donc, je ne sais pas quand ça sera, mais ça sera histoire, plus capture de tous les Pokémon du jeu. Et puis on verra. Je connais pas trop, je sais pas trop ce qu'il y a comme features dans le jeu. Donc voilà, on verra bien. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.